venus. Nous venons pour nous adorer le Seigneur. Et nous avons dit, pasteur Darnell, merci pour tant qu'il prend pour être capable de faire enseignement ça, passer pour nous-mêmes matin. Donc, je demande à tout le monde pour capable de disposer où, bien disposer où. Nous pourrons adorer le Seigneur matin avec notre bien-aimé frère ennemi, Sexil. Nous demandons pour avancer. Pour avancer, chers frères. Et nous allons remettre au micro, capable d'adorer le Seigneur. Juste avant, nous ne pouvons pas faire rien sans mon Dieu. Moi, je voulais prier et remettre les micros pour nous capables d'adorer le Seigneur ensemble. Et entre temps, je demande à tout le monde qui vient dans le service ce matin, avancez pour nous, venez chita ensemble pour nous capables d'adorer le Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur éternel, Papa, nous qui dans le ciel là. Nous bénissons, nous exaltons, nous rendons action de grâce à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, Père Saint. Miséricorde, pas fini. Levez-moi. Compassion, mon. Vous toute voix dit ça, net. Pas fini. Lui renouvelé. Chaque matin. Qui te cœur dit ça? Chaque matin. Dis sa miséricorde. Miséricorde. Pas fini. Que bon Dieu bénit le musicien. Que bon Dieu bénit le Lisa. En passion. Pas fini. Alléluia. Renouveler, oui, chaque matin. Amen. Levez bien mon nom, chaque matin. Relève miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion. Amen, ma vie. Levez-moi, lire. Chaque matin. Levez-moi, miséricorde. Ma vie. Compassion, mon Dieu. Compassion, mon Dieu. Pas fini. Renouveler. Chaque matin. Qui te cœur dit sa miséricorde. Miséricorde. Mais je lève non pas fini. Compassion, mon Dieu, maman dit ça à tout cœur. Compassion, amen. Pas fini. We're
Jesus.
redis ça. Pas gagné ton coup sur toute la terre. Alléluia. Pas gagné ton coup sur toute la terre. Lève-moi, l'amour a monté ou sans pareil. Oui, l'amour a monté ou sans pareil. Ça seul m'a dit, lève-moi, pas gagné ton coup. Seulement ou même seulement qu'a dit ça, mais pendant qu'on dit ça, ou supposé allons faire mon Dieu te fait pour dire mon Dieu ça pas gain tant cool. Alléluia. Daniel chapitre 8 6 nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 28. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels Daniel, afin que ces satrapes le rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une de la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable.
Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. Le roi fut très irrité quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent au roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses gonds, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec le roi et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse au lion, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement.
son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le royaume, sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Seigneur, chaque monde qui a des possibilités, Seigneur, ou des permissions, laissez maison, laissez famille, laissez activité au pas de semaine ça, pour être capable de rendre, Seigneur, dans sentier ça, Dieu de paix, pour être capable de vivre dans la présence au matin et de réclamer la présence du grand Dieu de puissant. Gardez chaque monde qui l'a matin, Seigneur, il y a un monde qui est capable de gagner un problème, il y a un monde qui est capable de gagner un cicatrice dans le col, il y a un monde qui est capable de gagner un problème dans la vie de Dieu, mais il n'a pas de capable de loger même, ou va toucher chaque monde individuellement, et comme ça, Seigneur, il va sentir grâce ou la vie de Dieu et tout problème va aller, tout ce qui va changer et qu'on ça Dieu d'amour si au monde là qui t'a une douleur qui t'a une cicatrice dans le Dieu que le sang de Jésus tombé vidé dans la vie de Dieu et qu'on ça elle va effacer toute qualité problème, toute tête chargée, tout tracas, tout problème, il va effacer, il va aller. Et comme ça, Dieu d'amour, nous va bon gloire, que nous va bon louange. Pour papa qui est dans le ciel là, n'a pas de capable avec nous, à combien de grand Dieu puissant, reste semaine ça, n'a pas de souple, bénédiction de Dieu, capable de sortir en haut, capable de tomber, Seigneur, Père puissant, pour grand réalisation ça, Seigneur, n'a pas de souple, continue à servir avec nous. Je vais prendre 15 minutes justement pour laisser le soin. Il faut respecter l'heure. Tout de suite, l'église, mettez-vous debout. Accompagnez-moi toujours dans la lecture parole bon Dieu. Jude 20. Je lis pour vous. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Merci, mettez-vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci de nous avoir fait grâce de pouvoir venir ici en vue d'hisser le drapeau de l'Évangile et descendre ceux du diable. Merci pour cette autorité que tu nous as accordée. Merci pour le pouvoir de ton Saint-Esprit. Sois toujours avec nous, Seigneur. Remplis-nous de toute ta grâce. Renouvelle en nous la détermination de pouvoir te servir jusqu'à ton avènement prochain. Seigneur, une fois encore, je te demande que tu prennes contrôle du message qu'on va propager. Utilise à ton serviteur comme ton instrument. Et toi, tu es le musicien. Touche-lui afin qu'il puisse donner des sons audibles. Je te prie comme ça, Seigneur. Et je remets toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle que des siècles. Dans ce verset 20, il y a trois concepts à souligner. Trois concepts à souligner. C'est le mot bien-aimé, le mot édifiant et la foi. On va se focaliser sur le mot bien-aimé, édifiant et la foi. Le mot bien-aimé, signifie frère ou sœur. Mais les écrivains ont utilisé une langue oratoire soutenue pour expliquer une tendresse particulière. Mais c'est toujours frère et sœur, c'est ça, mot ça signifie bien-aimé. Mais on utilise une langue
oratoire soutenu. Le mot édifiant signifie chasser toute inquiétude, ôter toute illusion. Mais c'est une sorte de croyance aussi. Et le mot foi, F-O-I, qui signifie tout simplement croyance. Il est important aujourd'hui de vous décortiquer le mot foi, F-O-I. La lettre F signifie fidélité. La lettre O signifie origine. Et la lettre I signifie intervention. Quelqu'un qui a foi en Christ, c'est quelqu'un qui est doté de la fidélité à Dieu. Quelqu'un qui a foi en Christ, c'est quelqu'un qui est fidèle à Dieu, fidèle à sa congrégation, fidèle à ses confrères. Et le mot origine, la deuxième lettre, signifie qu'on est quand on sorti. Qu'on est pour qui bu là. Est-ce que dans samedi là? Qu'on est pour qui bu que là. Et bon Dieu crée l'homme. But principal de la création de l'homme, c'est-à-dire but principal de l'origine de l'homme, c'est plaire à Dieu. Et pour ça, mon Dieu crée nous, pour nous contempler grand de lui. Et c'est nous dans les samedis là, contempler les bienfaits de Dieu. Et adorer lui en esprit et en vérité. Et aussi, la lettre I, qui signifie intervention. Lors de la création de l'homme, après avoir que Dieu a utilisé la terre ou bien une masse de boue, mais cette masse de boue avait besoin de l'intervention de Dieu et cette intervention est issue ou bien donc est émanée de l'esprit de Dieu, du souffle de Dieu, de la puissance de Dieu en l'homme et c'est ce qui allait donner vie à l'homme. L'intervention de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, puissance mon Dieu, l'intérêt de Dieu dans l'homme. Nous avons quelque chose en commun en nous. C'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. L'homme créé, c'est pour faire mon Dieu plaisir. Et là, nous réunit toute signification, trois lettres, ça y est. Nous pourrons arriver dans la définition, Yvine Banou, définition systématique, mot foi. Là, nous allons dans Hébreux 11, verset 1er, un verset que vous avez déjà bien connu. Eh bien, Hébreux, ça, il dit nous, il définit la foi. Définition systématique là. L'idée de la foi, c'est une ferme assurance, c'est pas vrai? Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou qu'on s'amène maintenant, moi, nous tendons bien, mais est-ce que nous avons sa démonstration, on veut dire? Là, bagaille qu'on parle, mais une démonstration de ce qu'on parle. C'est-à-dire, nous avons mis notre confiance en Dieu. Même quand nous ne voyons pas Dieu visiblement, mais en esprit, nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que Dieu existe. Et si Dieu n'existe pas, vous et moi, nous n'allons pas être présents aujourd'hui pour contempler sa magnificence. Le diable allait nous détruire assez longtemps. Le diable a fini de détruire nous. Il a humilié nous. Il a fini avec nous. Bon, j'en ai joué, diable.
J'ai nous joué Satan. Hein? Ah, il t'a pas prendre il t'a croisé des bras pour garder nous. Mais parfois, là nous tellement jouer, là nous remplir avec puissance bon Dieu, là nous remplir avec pouvoir bon Dieu, c'est garder l'a garder nous, lui pas faire rien parce que la main de Dieu est déjà sur nous. Amen. Grand pile dans nous là, c'est pas mais bon Dieu que tu sous nous pas fini disparaître déjà. Nous t'es fini déjà. Si c'est pas la main de Dieu. Gèlò quoi ces blagues. Là parle d'intervention bon Dieu. Conseil des cotoy là, j'ai pas qu'à mettre au dehors non. Président pas qu'à mettre au dehors non. Surintendant pas qu'à mettre au dehors non. Pasteur missionnaire pas qu'à mettre au dehors. Certainement, donc il faudrait avoir l'intervention divine, c'est l'unique possibilité, l'unique moyen de s'en sortir. Me rappeler. Moi te vont l'aimer la moi en face. L'aimer la moi en face là. Moi deux âmes à venir tuer. J'ai clair oui. Moi pas gain le choix. Non ca fou non blocus. Devant la vini avec Zamyo. Moi ouais yo me dit chauffeur. Mais souwe ou vinn passer devant machine là, motocyclette là. C'est moi à soumettre passer sur yo même si arrêto, m'a mettre l'argent malagé. Ça c'était parole pam. Amen. Et puis m'parle vont côté m'pa chauffeur pas même joindre moi même pour t'a faire vroom même dans machine là, mais un petit gaz même. Là on paraît moi a fini. Seulement m'dit Seigneur, la vie m'nan men. Connais beaucoup fin travail pour vous. Sourez, j'aime fin travail pour vous, ce qu'on semble malin, ça va. Mais moi, je suis persuadé que je fin travail pour vous. C'est un côté, mais je n'ai pas qu'à faire. Aïe, jouez pour vous, débrouillez avec vous. Amen. Je suis maintenant la mort venir pour moi. Je chauffeur. Puis, monsieur, descend motocyclette là. Machine là, campé dans blocus. Je vais traverser l'autre route, je suis sorti sous Delma pour mon Pétionville. Je vais passer dans Delma, ça m'a pris un frère pour monter Pétionville. Puis là, je suis arrivé, la première machine devant le traverser. La machine m'a vint prendre un carrefour. Et puis, monsieur descend la moto avec 2,9 mm dans la main. À peine, je mette la main, je me dis, Seigneur, pas oublier, non? La vie m'a mis. Je mette la main pour ouvrir la machine pour exécuter moi. C'est le moment chrétien, croyez-moi, je ne sais pas qui côté d'aller te bloquer sous le frère. Le moment mettre maintenant pour ton poids nouvelle. Moi, mon machine, police, pas devant que machine, moi, en bas. Je dis, police, volé. Police, clap, 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 zam. N'est-ce que fait fou, yo couille, yo aller. Amen. Amen. Dès que côté, c'est l'intervention, mon Dieu. Seulement, gardez livré. Amen. Là, je vais te mettre dehors. Président va gagner ton dehors parce qu'il n'a pas utilisé un monde en retard. Je ne vais pas arriver. Tu as un blocus. Mais l'intervention, mon Dieu, va gagner un blocus pour lui. Où est-ce que ça passe? C'est la femme maintenant, mon Dieu. Oui? Parce que côté je vais, je ne vais pas faire. Mais je suis femme parce que je connais un monde qui a sauvé dans la situation. Je vais agir fort. Agir fort, nous. Quelque situation à traverser, bon Dieu capable de mettre au dehors la donne. Parce que nous sommes limités. Il faut me garder de temps en temps. Bon, les gens allé. Je dis nous gagnons. Je vais dire peut-être la prochaine fois. Même dans l'église, je vais finir un message là. Il faut respecter l'air parce que toujours dit, nous ne sommes pas là. La foi qui est la foi salvatrice. Il y a plusieurs types de foi. Qui est la foi salvatrice. La foi salvatrice, ça nous appuie dans Marc 5, verset 34, qui parlait de femmes pertes de sang. Il est arrivé dans une situation, pas de traitement pour l'encore. Parce que tout ça le fait, tout là, il finit de penser qu'il y a un docteur. Mais il a parlé d'un sauveur qui est Jésus. Et puis tout de suite, là, j'y foule. Il dit, pour j'entends des gens qui savent faire miracle là, si ma vie est seulement touchée ou oblige, je pense que je suis guéri. C'est la foi, oui, là. Et c'est dans ce moment-là. Ce n'est pas là qui touche ou là, non, je ne fais la foi. La foi était déjà là avant de toucher ou là. Et pour qu'on sache passer, tellement que la foi, malgré les disciples, tu as empêché de joindre Jésus. Mais Jésus t'a senti comme un monde qui touchait dans la foule, là. C'est ça que je me doute, maintenant, foule, là, Jésus connaît le monde qui a prié, tout bon, frère.
Amen. Des soldats, des amdoula. Moudé maintenant fou là. Jésus qu'on est fidèle qui est en difficulté. Jésus qu'on est fidèle qui est malade. Jésus qu'on est fidèle qui est problème. Jésus qu'on est fidèle qui besoin un miracle. Jésus qu'on est là. Et puis il dit, yo quitte le page, ça vous voulez me faire pour. Je veux guérir moi. Et puis Jésus dit, puisque vous croyez dans ça, vous mettez à aller, ta foi t'a sauvé. C'est ça la foi salva? Salvatrice. Il y a plusieurs, même après la dernière pour finir. Il y a ça qui est la foi triomphante. La foi triomphante est tirée du livre de Daniel 3, verset 1 à 30. Peut-être hier, on avait fait mention de ce passage, mais quand même, chaque prédicateur a sa façon d'interpréter un verset, mais qui reste toujours typiquement biblique. Je ne vais pas vous raconter cette histoire. Vous avez l'habitude d'entendre cette histoire. Mais je vais faire un résumé pour vous démontrer c'est quoi la foi triomphante. Et l'important de la foi triomphante, comment découle de la foi triomphante, découle l'omniscience de Dieu. De la foi triomphante, découle la puissance de Dieu. De la foi triomphante, découle le pouvoir de Dieu. De la foi triomphante, découle l'omniprésence de Dieu. On va raconter une histoire. Là où a fini, j'étais Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel 3, 1 à 30. Il finit de jeter dans la fournaise là. Mais avant de jeter, mais ça me remet. C'est quelques commentaires bibliques qui baillent type exemple ça. C'est l'impiré dans le passage là. Mais peut-être nous avons la Bible, son résumé, mais qui n'a pas contraire à la Bible. Là où Dieu peut adorer statue, il dit je ne peux pas adorer. Roi dit mais si je ne peux pas adorer, il peut jeter nous dans la fournaise là. Mais il répond oh, roi. Nous avons assurance, bon Dieu, nous avons serviable de délivrer nous quand? Amen. Et pourquoi j'aime la mienne encore avant? Ou qu'on compte mieux avant là? C'est là, il dit, ouais, même si, t'es de cette douleur, bon Dieu t'a quitté nous mourir, et si nous mourir, connaissez-vous quoi, bon Dieu, capable de manifester? Amen! Amen! C'est ça, moi, maintenant, pas ça, ça. Même si nous avons mouru, c'est qu'on est, c'est pour gloire, mon Dieu, capable de manifester. C'est ça, moi, mais amen. Ouais, dis-le, dis-le, qui dit, ma paix marche seul avec Jésus, n'ayons communion. Et le son. Et Christ pour moi, t'es, ouais. Amen, amen, amen. Bon, nous donnons amen, nous continuons toujours. Ça veut dire, le wap marche avec bon Dieu. Des bagages s'il arrive, c'est pourquoi bon Dieu a manifesté. Bon Dieu pas plus vous que ça, bon méchant. Et puis, ça belle là, l'histoire dit nous pendant que diable a fait projet pour livrer monsieur dans la fournaise à la guerre. Yo dit comme ça au conseil d'unité dans ciel là gagne ta réunir pour étudier une stratégie pour un moyen pour délivrer serviteur bon Dieu en difficulté. Ça fait quoi? Gagne quelque côté autour en difficulté. Bon Dieu voye les anges, les archanges, les chérubins. Amen. Pour venir garder, pour venir protéger, pour venir bonne victoire. Attendez, moun ka marche droit avec bon Dieu, même là on dans la rue ou pas pour contour non. Amen. Parce que quand tu vas passer, il y a ces deux personnes qui apparaissent. Ces trois personnes, ils ont fait un complot pour te racheter, pour te détruire. Mais on dit si l'autre monde, ouais, n'a pas eu un show. Amen. Bon Dieu, il a envoyé deux personnes, deux, trois, ensemble avec eux. Ils ont regardé trois, quatre, cinq personnes qui apparaissent. Amen. C'est ça qui peut arriver là. Bon Dieu, il a dit, il fait réunion dans le ciel là. Il a dit, il y a les anges qui sont plus rapides là. Qui c'est Archange Miguel. Il dit, Archange. Combien de temps vous prenez, ou bien dans la langue noire, Archange Michel, combien de temps vous prenez pour arriver à délivrer ces victimes en difficulté? Commentaire biblique a dit non. Archange dit, je prends
2 minutes pour me délivrer. Bon Dieu dit le trop. Et ou même, il y a l'autre ange. Combien de temps prend pour délivrer sa vie? Quelqu'un qui parle la guerre dans la force, dans la fournaise là, combien de temps prend? Il dit, m'a prend 1 minute. Bon Dieu dit trop, père, qu'est-ce que tu as Il dit, Jésus-Christ, comme sauveur le monde, combien de temps prend pour aller délivrer mes siens dans la fournaise là? Il dit, bon, Jésus répond, qu'on y a là même, à l'instant même, je suis déjà au milieu d'eux. Amen! Amen! Ce qui explique que de la foi triomphante découle l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu, toujours présent et toujours là. L'image, je m'absente. M'abdou, agis foi. Agis foi. Ou observe un bon Dieu qui compte délivrer, qui cap délivrer, qui compte changer situation. Mais en nous fidèles. Parfois, on ne peut pas délivrer. C'est parce qu'on n'est pas fidèle au Seigneur. Ou t'en samedi non? Gè pa fwa ouè. C'est ou gen to, oui. Ou bay bon Dieu to, c'est ou gen to. Parce que m'a fini sous ça. Gè yon missionnaire togolais au Togo qui voyait yon parabole ban mwen. Alè pa parabole yon fait qui passait au Togo. Li di comme ça. Yon jeune garçon ki ak madame, yon gen deux petites. Mais monsieur pas même madame, il madame dans problème. Mais madame c'était voix servant de bon Dieu qui était la foi dans Dieu. Un jour, m'a parlé plus vite, monsieur à côté papa lui. Il dit papa, m'a pas de femme sans corps devant. M'a t'a mis tuer fille. Qui conseille au bon pour me capable tuer fille pour faire l'autre mariage. Papa dit mais c'est pas qui facile. M'a bon poison, m'a bon poudre. De pour mettre dans jour bali. L'ap mouri. Mais papa dit avant on fait ça. Pendant fin bay j'ai papa dit après on va l'ap mouri, j'ai pas le manger li, l'ap mouri avant on fait ça. Pour moun pa connaissé ou tu es. C'est pour chaque jour ou sorti rentre kon bagay pou li. Pas jamais fâché avec encore. Pas jamais monter l'amour, monter remel, monter chouchoutel. Monsieur qui pas jamais dit chéri, je t'aime. Connais chaque jour chéri, je t'aime. Chaque jour je t'aime. Chaque là sorti pour t'en pile bagay pou fia. Il a vive. Après yon mois, monsieur tellement joué un service la café. Monsieur tellement joué à son bon fils dit papa, même moi arrivé madame nan pour aller mourir. Est-ce qu'on va go poudre un cocabon pour faire pas mourir? Papa dit, qui c'est? J'en ai fils à ça qui passe. Il dit papa, m'a tellement remé fils à passer deux grenes dans j'aime qu'on y a. Papa dit, ouais, problème nan, c'est pas nan fiaïté, c'est nan roux problème nan te. Amen! Qu'on a qui ça va dire papa et pas samdou. Papa dit m'dou problème non c'est pas dans fierté c'est dans route parce que c'est ou pas bailler l'amour c'est ou qui pas t'apprécier c'est ou qui pas prendre soin ou pas qu'on fait bagage aux gens le monde. Il dit papa souple m'a le père dit bon madame ça bon mieux façon non pour pas mourir même moi arriver il va mourir. Papa dit mon frère m'a tab jambe indou na erreur c'est pas ton poison le t'est vrai mais c'est pour de vitamine t'est metté. Amen. 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 C'est pour demander qu'on s'accepte d'amener. C'est la foi d'amener de Guénambon, de mon Dieu. Quel que soit le monde, capte et Zab en pierre, au nom de l'État de Wattaïla, en pièce, mais chaque rêve de vous en croix, au nom de l'État de Wattaïla. Yo, seul bagaille, mettez la foi de mon Dieu, la paix, mon Dieu, ça m'a violé.
Satan, bon défilé,
volé pour nous sous la croix, nous pas quitter ça. Dans le jugement, tout le monde qui l'a dit, nous pas quitter ça. Jugement, Christ n'a pas interdit, va pas supporter, nous pas quitter ça. Pour qui? Pour qui tu l'as pas quitté? Satan, bon défi, levez-nous. Commencez, foi sous Christ là, victoire ou assurée. Pour qui? Pour qui tu l'as pas quitté? Satan, bon défi, levez-nous. Commencez, foi sous Christ là, victoire ou assurée. Christ là, victoire ou assurée, Christ là, victoire ou assurée, victoire ou assurée, victoire ou assurée, victoire ou assurée. Nous regardons en ville l'église, capillité, l'envahissement. Pas comme ça.
choisi pour ça. Et puis on s'est dit, mon Dieu, où c'est mon lumière. D'après parole là, pour pas qu'à prendre une lumière, pour mettre dans la table. C'est en les bouliers, si vous tapez pour tout le coin, n'en qu'à la guérir. Congolais, 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 Congol
C'est un habit, son habit, t'es fait tête moins. C'est un habit, son habit, t'es fait tête moins. C'est un habit, son habit, t'es fait tête moins. C'est un habit, son habit, t'es fait tête moins. C'est un habit, son habit, t'es fait tête moins. C'est un habit, son habit, t'es fait tête moins. C'est un habit, son habit, t'es fait tête moins. Utilisez pour des compagnies rangées maintenant comme vous. Jésus sauve, à nous crier gloire à Dieu. Moi pas tourner dans mon sang. Dans ton longtemps ma détruise, diable a été utilisé. Au décofanier rangé maintenant qu'à fou. Cougné à Jésus sauve, à nous crier gloire à Dieu. Moi pas tourner dans mon sang. Dans ton longtemps ma détruise, diable a été utilisé. Au décofanier rangé maintenant qu'à fou. Cougné à Jésus.
Jésus dit biga nous inquiète. Yo pa planté au manger. Nous toujours à planter. Qui s'en aimait à poser.
ça nous dit amen. Encore dans moi béni Seigneur. Au nom de moi. Adoré. Chantez, chantez. Au nom de moi. Adoré. Our hearts, Lord. My hallelujah belongs.
Hallelujah, belongs to you.
Bon Dieu bénis nous. Amen. Bon Dieu bénis nous. Amen. Avant moi aller plus loin, moi voulais passer un pasteur Molière. Il a avec lui un ami spécial, un membre à part entière de son église. Maintenant, c'est lui qui a l'honneur de vous présenter l'ami et l'ami va vous saluer fraternellement en Jésus-Christ. Maintenant, pasteur, vous avez moins d'une minute. Dans moins d'une minute, je voudrais présenter, alors, céder le micro à notre bien-aimé frère Félix Dikoumana. Il est rwandais. Il travaille un peu partout à travers le monde et durant 2 ans, il était ici avec nous en Haïti et on a eu la chance, ou plutôt la bénédiction, et qu'il soit avec nous à Jacquet. Il nous a aidés au niveau, à plusieurs niveaux à l'église et notamment la chorale Inessa qui vient de chanter, c'est son fruit, c'est son œuvre. Sa femme prêche régulièrement à l'église, lui aussi il enseigne. Il est rwandais, malheureusement on n'aura pas le temps de l'entendre dans le témoignage de la génocide, et puisqu'il en a été, il en a été un témoin, mais je lui cède le micro et il vous salue, puisque sous peu, il ne sera plus en Haïti. Gloire à Dieu. Comme j'ai une seconde, je vous dis une parole qui est sur mon cœur. Jésus, Matthieu 13, 44, il a parlé sur le royaume des cieux. Il compare le royaume des cieux comme quelqu'un qui est allé cultiver, il trouve le trésor et il cache le trésor. Et la joie lui permet de vendre tout ce qu'il avait pour acheter le chat. Alléluia! Nous proclamons le royaume des cieux où celui qui a vendu tout va acheter. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen! Je suis content d'être ici en Haïti. Il nous reste 2 mois pour partir. Mais chaque jour, j'aime plus le Haïti. C'est un beau pays. Quand je venais, j'avais toujours des doutes. Mais quand j'ai commencé à vivre avec les frères et sœurs, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ne pas me donner plus de temps en Haïti? Mais c'est comme ça que je dois partir. Je suis chrétien nouveau-né. Depuis 25 ans, je prêche la parole de Dieu avec mon épouse, donc nous sommes mariés depuis 22 ans, et nous avons 4 beaux enfants, et le Seigneur toujours nous utilise. Nous sommes bénis d'être ici au milieu de vous, nous allons apporter ce témoignage pour dire à nos frères africains que même au-delà du monde, les gens remercient Dieu, les gens se réunissent pour rendre gloire à Dieu. C'est ça le message que je vais amener ça à partir de mon caméra, mais je vais aussi vous envoyer cela pour que vous puissiez revivre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci, ça a été plaisir. Merci mon frère. Bon, il nous reste un peu de temps pour mettre un terme à cette activité si spéciale. Mais avant de prêcher la parole de Dieu, je voudrais adresser quelques mots à certaines personnes très spéciales qui ont contribué à la réussite de cet événement si remarquable. Donc, en premier, laissez-moi remercier certains étrangers qui sont là avec nous. Donc, at first, I want to thank my brothers, Delcote and brother Rich Hittenberger, have accepted to coming here to share with Haitian people, Haitian Christian, Haitian, about your experiences, your experiences on the faith, God's faith. Thank you, God bless you. Et quiero agradecer también mis amigos los que hablan español, de haber aceptado de venir acá para compartir las experiencias con los hermanos y hermanas haïtianos. Et je veux remercier à mon ami très spécial, mon ami Christian, je le connais à ses belles lurettes. Il avait accepté de venir ici et de nous partager ses expériences au sujet de la foi, et surtout avec les jeunes de nos églises. Félicitations.
Moi, je remercie aussi à toute l'autre conférencier haïtien. Pasteur Tito, lui, il est dominicain, mais d'origine haïtienne. C'est un haïtien, mais il a aussi la nationalité dominicaine. Et maintenant, merci en pile, Pasteur Tito. Et aussi, merci à tous les membres du comité exécutif, vraiment qui ont consenti des sacrifices énormes, énormes. Messieurs, mes remerciements, félicitations. Je vous félicite pour vos apports et supports apportés pour la réussite de cette grande, grande activité spirituelle. Je remercie aussi les pasteurs, le Conseil national de la mission des Assemblées de Dieu en Haïti. Je remercie nous tous, tous pasteurs, tous fidèles. Je remercie nous pour toute participation nous, que nous t'ai portée. Visiteurs, visiteuses qui l'a fait action. Je remercie nous pour tout ça que nous faisons. Et je remercie aussi madame moi qui toujours campé bon côté ma famille pour encourager moi. Je remercie nous en pile. Je remercie encore l'église Assemblée de Dieu Fessad Damio pour belle activité ça nous sort présenté là, ça fait me revivre la nature. Me revivre ça fait me gagner chance encore pour Haïti capable venir Haïti verte. Est-ce que nous t'attendez côté production nationale on manger n'a consommer puis on sortir dans propre tes pays nous et yo même yo pas gain produit chimique yo pas ban nous bonne vie maladie c'est pour nous prier pour ça moi remet yo ouais longtemps l'aime pas gain l'esprit te ignorer l'âme te ignorer patate mazambel actuellement c'est yo que manger parce que moi vie manger qui importe yo bay toute maladie attendez qu'on a l'ange moi pas besoin pas bambion là mon mettre bambon parce que c'est yo manger qu'on a bon Dieu bénis nous hein merci encore moi remercier nous en pile et moi voulais spécialement dire pasteur mieux comme ça. Moi connais que nous passons un moment dans 3 jours ça yo. Peut-être c'est pas accueil ça nous te souhaité. Mais sincèrement je dois vous dire semble-t-il que c'est quelque chose qui a été bien planifié. Vous avez mal dormi. Et même il y avait problème de l'eau pour vous baignez. C'est quelque chose, c'est sûr et certain. Il y a un adage français qui dit comme ça. Quand on attaque les lions dans leur cage, leur réponse est toujours fatale que lorsqu'on les attaque hors de leur cage. Cela implique qu'il ne faut pas oublier, il y a certaines stratégies qu'on avait utilisé pour défier la parole de Dieu, pour défier ce que Dieu lui-même, il veut. Mais merci d'être intelligent. Vous avez bien compris ce qui était arrivé et vous avez donné la réponse qu'il faut, la réponse adéquate. Félicitations et merci, Pasteur Mio. Merci à tout le monde, comité exécutif, conseil, Pasteur Mio, qui était consenti encore pour bannir l'autre mandat 4 ans. Pour capable diriger mission Assemblée de Dieu. Au point où j'ai toujours le fardeau pour bien mener à bon port les Assemblées de Dieu en Haïti. Au point où la semaine dernière, quelqu'un m'a posé une question. Il n'est pas chrétien ni assembléiste. Tout simplement, il m'a dit, Pasteur Calix, laissez-moi vous faire une question, Pasteur. Entre les assemblées de Dieu en Haïti et votre famille. Qui est soupiré, mais? Entre mission assemblée Haïti, qui est soupiré, mais? Moi, dis, mon cher, je ne suis pas capable de me pirer, mais? Assemblée basse famille, moi. Mais bon Dieu, bon, mon amour pour ça, ma fin d'assemblée, mais moi, je ne suis pas capable d'expliquer. Donc, merci. Ce n'est pas un cadeau en faveur qui fait. D'ailleurs, je suis tellement senti fatigué après 9 ans. De combats, de luttes toutes sortes que vous connaissez. Lutte visible et lutte invisible. Mais les mains du Seigneur sont toujours sur moi et ces mains donc m'ont protégé contre toute attaque satanique et diabolique. Et grâce soit rendue à Dieu, les réponses que vous constatez proviennent de la grâce et de la puissance de Dieu. Donc, m'a dit nous ça merci. Nous tous qui là pour nous capables de faire journée son journée qui belle. M'apprécie ça. Et m'content ça. Nous pas qu'on nous trop à midi.
l'exécutif et moi avons décidé de terminer ce service aujourd'hui à 12h. Je vais tout faire, je ne suis pas trop long en prêchant. Vous qui me connaissez déjà, je suis comme ça, pas trop long. Moi, je voulais mettre nous au courant quelques perspectives, non seulement aux pasteurs, mais donc, vous devez savoir aussi donc, certains plans, certaines visions que le surintendant inspire en lui. Moi, déjà formé comité d'âme nationale, bientôt, nous va procéder à l'investiture. Nous avons une chance pour qu'on nous va inviter plus à l'église dans la capitale là. Et quelques pasteurs qui sont en dehors, Conseil national mission, capable là, pour nous faire ça. On va connaître et on va présenter bientôt. Nous avons une perspective encore l'école dominicale. Nous allons mettre sur pied là dans les jours à venir. Nous avons un groupe bataillon national. Nous allons mettre sur pied les jours à venir. Comité jeunesse là, très tôt, dans le jour là, nous allons mettre le sur pied. Problème qui gagne peut-être, j'ai prôné ça assez longtemps, mais il y avait un petit problème. Si je dis au monde, mettre au chef Mabozam, est-ce que c'est chef là vrai? L'ennemi a venu attaquer ma qui sauve le défendre. Ça me dit là, nous avons un problème d'espace, bureau pour te siéger. Même à 75% pour me finir bio, dame pour aller bio pour le siéger, jeunesse pour aller bio, l'école dominicale, bataillon et autres pour aller côté pour le siéger pour nous bailler un meilleur service que toute l'église attend des missions assemblées de Dieu. Je m'adresse à moi, je pas de mission sans pasteur, pas de l'église sans fidèle. Et sans pasteur autour, pas de la mission sans nous là. Donc, nous contribuons ensemble, on travaille ensemble pour que mission assemblée de Dieu, même Jean, parfois, on a parlé de l'autre mission, mais bientôt, nous va fiers pour nous parler en premier lieu, mission Assemblée de Dieu par nous. Donc, moi, content ça et m'apprécier ça. Nous avons une perspective encore. Nous prenons le voyer. Dans le mois, ça, on a commencé possible. C'est possible, on a commencé dans le mois de mai. On a commencé à voir 10 missionnaires locaux. Pour capable représenter l'Assemblée de Dieu, surtout dans la ville où nous pas présents. Et l'objectif de la mission locale, ça a eu deux paramètres là-dedans. Premier paramètre, là, c'est former pour commencer à habituer qui sacre le travail missionnaire. Et là, on finit habituer qu'on n'y a pas mis une, deux, trois familles. Bon Dieu, relève pour un pays côté que, qui a besoin de la parole de Dieu. Mission ensemble avec l'Église, avec nous-mêmes. Pour nous capables de voir tout. Ce n'est pas seulement contenter nous, recevoir missionnaire, et puis nous-mêmes, nous ne jamais pas voir une graine. Est-ce que bon Dieu, pas yoa, c'est pas bon Dieu, pas nous lier tout. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et nous compter sur nous, oui. Nous connaissons mais nous, et pas vrai? Est-ce que nous aimons grand-père? Est-ce que nous aimons grand-père? Merci. Félicitations. Nous connaissons notre petit sur nous, monde qui ne connaît pas. Pasteur, nous mettons toujours le pasteur Calix, vous entendez? Parce que nous avons des choses communes, passer avec passer. Nous avons tout passer, nous mettons les passer calique. Mais à partir de aujourd'hui, c'est une obligation. Et c'est la loi du surintendant. Il est irrévocable et irrépréhensible. Il est sévère. À partir d'aujourd'hui, chaque fidèle de l'Assemblée de Dieu qui aime, il est mes grands-pas. Bonjour, grands-pas. Amen. Bon Dieu, bénis-nous. Merci. Donc, nous connaissons que grand-père, pasteur, après bon Dieu, pasteur, c'est papa, nous dans la frère, pas vrai? Ah, mais puisque moi c'est pasteur, moi c'est grand? Grand-père, bon Dieu bénis nous. Moi, je voulais remercier encore à tout brigadier qui fait un travail impayable, impeccable. Je crois que c'est le mot technique, c'est pas impayable, non? Impayable, c'est le mot clé, mais le mot technique, c'est impeccable. Monsieur, compliment. Bon travail, brigadio. Et staff qui t'a joué musique là, compliment. Tout le monde, cuisinier, yo. Merci, merci, bon manger. Qui fait. Et si on m'a oublié, c'était non, mais qu'on est dans le cœur, déjà, Dieu, merci déjà. Bon Dieu, béni, non, hein? D'accord. Donc, rapide, sans perdre du temps, on a fait place ensemble avec la grande chorale, les Séraphins de l'église Assemblée de Dieu de Pétionville.
Donc, il y a trois morceaux. Donc, il y a obligé de chanter un seul morceau. Et tout de suite après, on a fait place ensemble avec chorale, Assemblée de Dieu de Terre Noire, qui a chanté un morceau. Oh,
États-Unis. Y las iglesias de allá de los Estados Unidos. De toute l'église assemblée des États-Unis. Somos hermanos en Cristo Jesús. Nous sommes frères actuels en Jésus-Christ. Y la victoria de ustedes. Okay. La victoria de ustedes. La victoire c'est pour nous liés. La victoria de nosotros. La victoire c'est pour nous toutes liés. Vamos a pasar eternidad juntos. Nous pas passer éternité nous ensemble. Alabando al Señor. Na côté na bay bon Dieu gloire. Por eso yo estoy muy agradecido de estar aquí. C'est ça fait content pile parce que m'étais capable aujourd'hui. Entre mis hermanos haïtiens. Avec frères haïtiens. Que Dios le bendiga todos. Que bon Dieu bénisse nous tous. Amen. Merci. Pasteur Berger lui-même lui parlait créole. Bienvenue, nous comptons pile pour nous capables ici là encore. Conférence là, lui bénit en pile, n'est-ce pas? Grande bénédiction. Nous remercions le Seigneur pour chance qu'il était par nous, pour nous être capables de retourner une autre fois. Et depuis nous t'es venu, nous t'es senti à l'aise, la caille nous. Et tout le monde t'es bien avec nous, t'es par nous en pile l'amour. Et nous apprécions ça à tout que nous. À nous aller dans la foi, comme nous t'apprenons pendant trois jours à yo, à nous kembe la foi, à nous avancer dans la puissance Saint-Esprit, et bon Dieu va continuer béni assemblée de Dieu en Haïti encore. 60 années d'existence, et nous connaissons si bon Dieu par vini tout de suite, nous va gagner un grand ministère avant nous pour l'avenir. Can be firm. Jésus va bénir nous en pile. Hallelujah. Donc, j'ai toujours l'honneur d'avoir mon ami avec moi, justement, pour vous dire un dernier mot de revoir. Le Seigneur bénit nous. Le Seigneur bénit nous. J'ai perdu ma voix, je m'excuse, mais je voudrais vous saluer de la part de notre Église, de mon Église, et vous laisser avec les bénédictions du Seigneur. Le Seigneur bénit nous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse nouvelle année dans l'émission des assemblées de Dieu. Et puis, Dieu voulant, à l'année prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Merci. À nous mettre un debout pour terminer. Nous avons pasteur Elias Selimé, c'est pasteur district et département NIP. Donc c'est lui-même qui a fait prière finale. Ni bénédiction d'où? Et bénédiction. Merci. Coubon nos fonds. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous infiniment remercions au Seigneur pour ces trois jours qui vous permettent de nous passer ici ensemble. Merci, bon Dieu, de ce que vous te prenez nous chaque côté nous pour te mener nous venir dans lui ça. Nous disons merci, merci pour tout ça que tu fais, que parole ça continue, ou vraiment mon Dieu produit, que il est capable vraiment continuer manifester dans la vie, non. Merci pour toute bagaille, merci, merci pour façon de utiliser chaque vraiment orateur, dirigeant yo. Nous disons merci, mais nous pourrons aller, nous demander aux gens de mener nous venir. Menez-nous tourner la caille, nous sains et saufs. Nous t'en prions, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, à qui soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous préserve. Que l'Éternel vous surveille. Que l'Éternel vous surveille. Que l'Éternel vous délivre. Que l'Éternel vous délivre. Sur ces mots, que la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec nous tous dès à présent au siècle des siècles. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.
Surintendant Fleuridor Calis, au nom de la TNH, nous avons quelques questions nous avons poser. Comment vous avez à peine fin clôturé la convention ça? Depuis combien de temps vous avez organisé l'activité ça? Mission existait depuis 60 ans. Mais moi-même, comme surintendant, j'ai 9 ans depuis que j'ai organisé des activités. Mais sous quelle fondation mission ça Chita même? Non. Mission Chita sous la fondation Doctrine Christ là. Parce que nous prêchons Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité et il revient encore. Combien de temps vous avez comme surintendant à la tête mission ça? Moi j'ai 9 ans comme surintendant à la tête mission. Et hier encore, hier, qui était 22 avril là, population, peuple, pasteur, yo sort bon yon mandat encore 4 ans, yon mandat à l'unanimité pour mal continuer l'autre 4 ans encore pour faire mission ça avancer. Mais chaque qui élection organisée et comment élection ça est organisée même? Élection ça est organisée chaque 4 ans pour renouveler nouveau comité exécutif mission. Mais chaque 4 ans ça nous fait élection seulement pour surintendant et après un mois conseil exécutif mission réuni pour choisir les autres membres toujours à travers les votes. Mais quel type de relation mission des assemblées de Dieu gagne avec l'autre mission évangélique? Donc quand même nous avons une relation commune. Toute mission qui croit dans Christ lui c'est sauveur, toute mission qui croit dans le retour de Jésus-Christ, eh bien nous partager et même fois nous on invite l'autre, on entend l'autre et nous partager expérience dans Christ ensemble. Est-ce que mission des assemblées de Dieu déjà a couvert 10 départements d'Haïti? Exactement. Donc la mission est présente dans tous les 10 départements. Mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a certaines villes que la mission n'est pas encore présente. Mais bientôt, la mission sera présente dans toutes les villes d'Haïti. Est-ce que c'est chaque période convention que nous avons une chance pour nous rencontrer avec tous les leaders pasteurs ou sinon nous avons l'autre occasion? Pas forcément. Parce que nous avons un conseil national là qui réunit chaque 3 mois pour nous capables de faire mise au point de l'activité mission. Mais jour convention ça y est, même son jour spécial, non seulement nous réunissons avec pasteur, mais nous avons une possibilité pour nous rencontrer avec toute fraction nous pour nous partager même foi, nos expériences nous et bye bon Dieu gloire ensemble. Mais qui côté mission joint ressources pour les capables d'organiser une telle activité? Exactement. Au commencement, source mission on était qu'on supporter à travers les missionnaires sous économique là à 75%. Mais depuis moi arrivé comme surintendant en 2008, moi même moi parlé avec pasteur yo, moi croyant dans aide qui sorti dans propre source mission pour développer mission. Et depuis lors, ça fait 9 ans m'a organisé activité convention, c'est une ressource qui sorti dans mission à travers pasteur yo, l'église yo et fond dans mission, nous organiser activité avec propre source par nous. Secteur catholique là, depuis longtemps, il a bénéficié de sa relève en franchise douanière. Mais est-ce que nous, dans le secteur protestant, est-ce que nous déjà touchés par la situation? Est-ce qu'on est au courant de un tel aspect? Donc, pas oublier, l'église catholique au premier abord, c'était l'église l'État taillé. Mais au fur et à mesure, il y a l'autre convention qui votait. Donc, l'État ici pour l'État catholique. Mais ils viennent l'État laïque. Alors, à partir de ça, les catholiques bénéficient en pile avantage et dans l'État haïtien. Mais qu'on y a là, tout dernièrement là, ils sortent voter l'État haïtien, sortent by droit à secteur protestant pour une franchise douanière. Moi, au courant de ça, mais mission assemblée de Dieu en soi pour qu'on touche de ça. Mais mission, est-ce qu'il y a bilan capable faire pour pendant l'année quantité d'hommes que vous avez qui viennent à la conversion? Bon, bilan que nous sommes capables de faire, c'est que chaque église fait convention, fait un réveil spirituel, en pile monde converti. L'église Assemblée de Dieu sorti en pile dans mission, en pile monde converti. Donc annuellement, c'est en pile membres qui viennent au pied du Seigneur. Mais au point de vue économique, comment entrer et dépenser mission en y? Au point de vue économique, c'est que chaque l'église a un pourcentage qui voit dans la mission. Pourcentage ça aide la mission à faire face, à répondre à multiples contraintes
économique qu'elle gagne. Et ensuite, nous gagnons pour les projets, nous avons des relations internationales avec les autres missions sœurs. Et à travers eux-mêmes, nous sommes capables de supporter en pile projet. Tant qu'il y a un tremblement de terre, l'Assemblée de Dieu est en pile monde, dans pile l'école, l'église reconstruite, en pile caille, frère action nous reconstruit. Et même les gens qui ne sont pas convertis, parce que la mission réalisée dans l'aspect social, pas gaffe ni chrétien, ni pas chrétien, mais la nappe desservie socialement, tout le monde servi. Alors, on fait dire que vous faites recevoir un mandat pour 4 ans. Mais quelle perspective mission gagne à court terme et à long terme pour pendant mandat ça qu'on fait jeune? Perspective nous gagne à court terme là, c'est d'avoir porter une solution rapide à besoin qui urgent. Et perspective que nous gagne donc à long terme yo, c'est travail pour nous capable mettre plus structure, travail pour nous capable mettre plus renforcer donc institution nous, entité nous, département que nous gagne dans mission Assemblée de Dieu. Est-ce que mission des Assemblées de Dieu, li gagne une école théologique et si ça existe, combien de temps ça gagne? Depuis mission fondée en 1957, 3 ans après, li te vinn gagne l'école biblique li. Et aujourd'hui, nous avons 3 écoles bibliques dans le pays. Nous avons une centrale là, côté que nous faisons activité, ça qui est à 119, numéro 20. Ensuite, nous avons l'école biblique et au CAI et l'école biblique Cap-Haïtien. Alors, mais c'est comment que mission travaille avec les missionnaires en Haïti? Non, nous avons développé de bonnes relations internationales avec les missionnaires qui sont en Haïti. Les missionnaires sont là, non pas pour transformer, pour changer les structures de la mission des Assemblées de Dieu en Haïti, mais ils sont là pour nous aider à renforcer les structures, les institutions que compose la mission des Assemblées de Dieu en Haïti. Mais est-ce que la mission des Assemblées de Dieu est un missionnaire à l'étranger? Mon cher, ça c'est une question épineuse et difficile. Mais il ne faut pas oublier, la mission des Assemblées de Dieu en Haïti a décidé non seulement de recevoir les missionnaires, mais aussi d'envoyer les missionnaires les années qui viennent. Par exemple, là, nous allons commencer cette année même avec les missionnaires locaux. Et prochainement, la mission des Assemblées de Dieu en Haïti sera capable d'envoyer les missionnaires vers l'étranger. D'accord. Et qui dernier message ou gagné pour la communauté haïtienne? Le dernier message que j'ai gagné pour la communauté haïtienne, non? Je vous encourage, même j'en t'aime dans tes prêchés, bâtissez votre foi, votre vie sur le fondement de votre foi. Bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi. Nous croyons qu'avec la foi, nous sommes capables d'atteindre un pile bagaille. Et demandez, peuple haïtien, pour vous faire bon Dieu confiance, situation que nous trouvons nous là, c'est seulement la foi que vous avez dans bon Dieu qui est capable de nous sortir dans un passe difficile pays à trouver là. Merci, la TNH. Remercie vous. Et merci tout pour TNH. Bon Dieu bénis. Monsieur Christian, vous êtes pasteur des églises Assemblées de Dieu à Chicago. Mais quel partenariat ou sinon quelle relation y a-t-il entre Assemblée de Dieu en Haïti avec l'Assemblée de Dieu de Chicago? Chers frères, merci de la question. Nous sommes vraiment honorés de partenarier avec les églises de Haïti, avec la mission des Assemblées de Dieu à Haïti. Pour nous, c'est une honneur bien particulière. Ce sont des frères très chers à nous. Ce sont des frères avec une grande passion pour Christ. Ce sont des frères auxquels il ne manque rien d'un point de vue spirituel. Nous pouvons les aider avec quelques outils, mais eux, ils nous bénissent exactement de la même façon. Donc nous remercions le Seigneur pour les avoir mis sur notre chemin et nous sommes vraiment honorés de partenarier et de marcher avec eux dans cette mission. Alors, est-ce que vous avez un petit mot pour la communauté chrétienne haïtienne? Il y a Haïti, d'après moi, est en train de traverser un moment très particulier avec une opportunité unique pour les chrétiens. Si les chrétiens se rallient et se unissent encore plus, non seulement ils changeront le côté spirituel de Haïti, mais ils ont aussi une opportunité de changer le pays entier. Et
pour cela, je crois et je pousse et j'exhorte et j'encourage mon ami pasteur Calixte Floridor à créer cet environnement qui permet le changement d'un pays entier. De tout cœur, nous te remercions. Et merci à vous.